château. Mais tu es fou, quoi. Les Français n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag. Ni même à s'approcher de leur QG. Mais c'est toi qui vas prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrive à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Deme, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Quand on verra ta fusée, on passera à l'attaque quoi qu'il arrive. On t'a fait confiance. On t'a confié nos vies, Deme. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Soldats allemands droit devant. Cette arme ne fera plus couler le sang de mes camarades. Mes frères, nous allons repousser les lignes ennemies. Ce sera pas facile. C'est parti! J'ai besoin d'aide! Ah! C'est ça, on va bouger! On doit se débarrasser de ces canons. Sois fort, sois courageux. Forcer la porte du château. Mais il aurait mieux valu pour nous qu'elle ne s'ouvre jamais. Donnez tout ce que vous avez! On doit l'ouvrir! Coute que coute! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! n'étaient pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher, en sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.